Khalel contre Vibrassi, est-ce qu'on a les joueurs qui sont dans le coin? Et re? Re. Ça va Khalel? Ça va et toi? Ça va tranquille. On attend Vibrassi et puis on va pouvoir commencer. Quart de finale, pas trop de pression, ça va? T'es prêt à nous remettre des trucs Non. comme du saut de tout à l'heure depuis la salle à manger, hein? Ouais, on va essayer. Ouais, t'es chaud? Non, pas de pression. Mbot activé, tout ça, tout ça? Tranquille. Ouais, voilà, tout ça, tu connais. Allez, vous êtes prêts? On est parti? Ouais. GLHF à vous, amusez-vous bien et, chef. Et on se voit après le match. Vas-y. Allez, faut que j'ajoute bien. Je sais comment il joue Khaled. Il joue super agressif, il va sortir spawn kill à tous les rounds. On a l'info drone. Et. Et c'est passé tout proche là, c'est passé tout proche. J'ai Vibrassi qui va être agressif directement sur le toit en face de Khaled. Et il a l'information. Et on se cherche entre les deux joueurs. Cherche clairement, Vibra va reprendre la ligne. Attention à ne pas laisser dépasser le crâne. Et là, le crâne, on l'a vu du côté de Vibrassi pour Khaled. Et ça ne partira pas entre les deux joueurs. On n'a pas eu un seul échange de balles finalement, seulement des coups de feu. Deux fumis pour s'insérer. On l'attend exactement ici. Et là, le duel, il va probablement être... Oh, l'info, elle est magnifique. Et Vibrassi qui récupère la tête de Khaled. 1-0 pour Vibra. Et... Ok. Ok, là, c'est sûr qu'il va spawn killer. C'est sûr. Il a joué de Jackal, mais il m'a pas de Jackalé. J'ai pas le Jackalé non plus. Hein. Écoute, moi, je joue plus que si je joue. On va faire ça. Si me jackal, je jackal. Si me jackal pas, je jackal pas. Oh, le travers de Vibra sur Khaled. Allez, Khaled qui va se mettre sur le toit comme il l'avait fait tout à l'heure. Et cette fois, c'est avec un viseur réflexe. Oh, le pré-shot. Et le pré-shot qui a bien failli récupérer la tête de Vibrassi. Derrière, on se remet au niveau de cette porte. Khaled est un petit peu dans le dur là, sur ce match pour le moment. Alors que tout à l'heure, c'est lui qui menait la danse face à Mostafa. Et il l'entend. Il sait qu'il est au contact. Il le sait. Et on va peut-être avoir un duel depuis le lit directement. Le drone qui va repartir. Oh, ça se joue un peu. Les timings pour Vibrassi et Khaled là. Et non, il n'est plus là. Il est au niveau de l'escalier. Et l'escalier pour le moment l'a pas pris d'assaut pour Khaled. Je sais pas si sur le travers je l'ai touché. Et la Vibrassi, il a été solide sur l'aim. Et maintenant on part sur un niveau 3, no rifle allowed. Et on sait que Vibrassi, il ne gère pas les SMG, il a pas envie de jouer au shotgun, il prend la Zofia, il prend le point rouge et il part comme ça.
et le pistol de Vibrassi. Alors qu'on est en train d'avancer. Le Kalem, lui, de son côté, il attend. Et il attend bien. Et le son, très important. Oh, Vibrassi. Oh, Vibrassi. Et au duel tout à l'heure, au pistol sur Valkyr, me semble-t-il, il avait fait très très mal. Et là, on a une belle ligne. Et on va pré-shot, on va pré-shot. Mais derrière, on a plus que le pistol. Et là, on va essayer d'aller jouer au pistol. Il vibre, bah, il est vu sur le rechargement, il le sait que je recharge. 4-0, une tête qui passe sur Kal-El, qui est pour l'instant noyé et qui va peut-être partir pour la chambre froide de la Salty Academy dans quelques minutes. Et avec 4 rounds d'avance, pistol on. Mais c'est bien joué de la part de Vibrassi parce qu'il attend que Kal-El vide son chargeur. Ce qui l'oblige lui à switch sur sa secondaire. Et à ce moment-là, il push. Et voilà, le brain de Vibrassi qui a fonctionné. Allez, on passe par le garage du côté de Kal-El et on va se repositionner pour Vibrassi qui va attendre peut-être en bas d'un escalier et qui va redescendre. C'est parfaitement joué de la part de Vibrassi. C'est parfaitement joué alors qu'on va reprendre l'information drone. Oh, oh ici il a cette info. Alors qu'on est en train de chercher. Oh il est juste là, il est juste en bas d'escalier et une balle qui va être prise par Vibrassi qui ne va pas en mettre une seule en retour sur Kal-El. Alors qu'on a perdu les deux drones, j'ai l'impression du côté de Kal-El, on est obligé de face check pour le moment. Et de monter, et voilà, le face check un petit peu partout, c'est compliqué. Bien sûr, quand on est dans sa position. Kal-El qui récupère la tête de Vibrassi. Ça passe et ça fait 4-1. Nous n'aurons pas de cut only. On repart sur un SMG. Shotgun ou pistol. Pistol ennemi, est-ce que vous le voyez gagner ce round, le bon Vibrassi? Est-ce qu'on va partir sur un 4-2 ou un 5-1 et donc 4 balles de match, 4 balles de demi-finale pour Vibrassi, potentiellement, qui peuvent arriver? Il est obligé de face check partout, il regarde un petit peu si jamais on a bougé, etc. Et on est juste en train de l'attendre dans l'escalier. Juste en train de l'attendre dans l'escalier. Alors que Vibrassi perd du temps. Et il perd de plus en plus de temps. Il peut pas passer par le garage, je le rappelle. Il va être obligé de passer devant Kal-El. Le site il est en bas. Oh. Il est à droite. Il est à droite. Il est à droite. Il est à droite, on a vu les shots. Alors qu'il reste que 45 secondes. Et là, Kal-El est dans une très très bonne position. Le pistol qui va aller détruire la barricade. On recharge et il ne nous reste que 31 balles pour Vibrassi qui va les push. Qui va les push. Qui va mettre une petite balle. Qui va en mettre une deuxième. Et derrière le shotgun. Et c'est le cut. Le premier cut de la journée pour Vibrassi sur Kal-El. Et non, c'est bien 5-1. Et hop. Voilà, Kal-El n'a plus le choix, il faut aller gagner. Franchement, j'ai pas compris là. Oh, 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 oh. One tap de Kal-El. Et là, boum, il était solide. 100% il est dans le garage en fait. Mais le garage c'est trop simple, sa strat c'est la meilleure du monde en fait. Oui il est déjà là. Oui oui. Et ouais et là du coup il s'est mis dans une situation compliquée. Take
Baby, baby, baby. Alors du coup, on repart sur un plus 2. Là, il va avoir le droit à son arme principale, du coup ça va être chaud de ouf pour moi. Et j'ai l'impression qu'on pense qu'il est en bas. Alors qu'il est en train de droner dans l'escalier main. Vibracy n'a pas vu le drone pour le moment, ne l'a pas entendu. Et là on est surpris et on met des shots. Et il y a... Oh, what? Ok, non mais ça met des shots sales aujourd'hui.